Il était l'une des figures de la littérature allemande d'après-guerre. Günter Grass est mort à l'âge de 87 ans. Son premier livre, Le Tambour, fut un succès planétaire, vendu à 3 millions d'exemplaires et traduit en 24 langues. L'écrivain germanique le plus connu dans son pays et à l'étranger a été récompensé par le prix Nobel de littérature en 1999. Celui qui n'a eu de cesse de confronter l'Allemagne avec son passé nazi a aussi rédigé de nombreux poèmes et des pièces de théâtre. Il était également un homme politiquement engagé à gauche, mais en 2006, il avait choqué en révélant tardivement avoir été membre des troupes d'élite nazies de la Waffen-SS à la fin de la guerre. L'annonce de sa mort a suscité une grande émotion et de nombreuses réactions dans le monde politique et culturel en Allemagne et à l'étranger.